Bon, salut à tous, moi c'est Kyle et je vous dévoile un peu la raison de mes petites vacances. J'ai été invité au festival Tavrida Art qui se déroule ici. Je me suis fait accréditer, j'ai reçu une accréditation plutôt comme média quoi, et aussi une autre pour ma voiture. Et je vais vous parler de ce festival. Donc on m'a invité pour vous montrer ce festival, pour populariser ce festival. J'espère que la série des vidéos de ce festival vous plaira. C'est parti. Franchement dit, là je vais travailler tout seul, parfois avec mon caméraman. Aujourd'hui non, c'est la première journée, enfin c'est la première journée pour moi, mais le festival se déroule déjà depuis le 10 août. Voilà, et je vais vous montrer ce que c'est ce festival et pourquoi je suis là. Vous allez bientôt voir une très grande différence entre aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui va se passer demain, après-demain et après-demain. Quelle est la différence? Vous voyez qu'il n'y a pas encore trop de monde. Je vais passer par là. Ben voilà, parce qu'aujourd'hui le festival accueille des participants et on peut diviser tout le monde en quelques catégories. Donc ce sont des participants, des organisateurs, des spécialistes, des artisans, machins, des chanteurs, acteurs, etc. Et des invités, des spectateurs. Et bon, les spectateurs vont commencer à arriver demain. Donc le festival sera ouvert pour eux à partir de demain. Voilà. Moi, vous, ma chaîne, tout ça, on est là aujourd'hui en tant que média. Donc pour observer et pour vous montrer ce qui se passe ici. Donc profitez des ambiants et j'espère que cette idée vous plaira. Je vais parler de ce concept un peu plus tard. Ok? Et bien sûr qu'un truc inévitable pour moi, le phare quoi. Oui, j'en ai quand même marre, mais bon. Le territoire destiné, disons, à ce festival est très immense. Il y a tout, il y a des scènes, il y a des papillons, il y a des phares, quoi, bientôt vous allez voir. Il y a même une plage, je vais vous la montrer tout de suite. J'ai quand même de la fièvre, mais ça va. La sculpture, celui qui regarde à la mer. L'un des symboles de ce festival, et il regarde juste là, où se trouve le phare de Meganom que j'ai visité, et vous allez bientôt voir. Bon, en fait, c'est toute première vidéo pour vérifier comment ça marche, tous les appareils, pour tout configurer, pour tout installer et machin, et pour vous montrer peut-être quelques vues de ce festival. Donc, et à partir de demain, dans la vidéo suivante, on va parler déjà des événements, des principes, comment ça marche, à quoi ça sert, machin, et vous allez participer avec moi peut-être aux activités. Bon, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui on ne fait qu'observer tous les détails, je dirai plus tard. Mais en bref, ici on présente des régions, des différentes régions. L'immersion sociale est présente aussi. J'ai failli fondre. Il fait super chaud, il fait très chaud. Donc j'ai observé presque tous les plateaux qui me seront nécessaires à partir de demain, où on va travailler, on va filmer, faire des trucs machin. J'ai aimé, ça c'est vrai, ça c'est aucune hésitation. Et à partir de demain, le festival. Donc c'est fini pour la vidéo jour zéro. Voilà, je vous ai montré un petit peu le territoire de ce festival. Et à partir de demain, le travail. Il y a des bus qui viennent et qui viennent, qui viennent et qui viennent. Il y a trop de monde, donc ce festival aura sa popularité quoi. Cet endroit là s'appelle la gare de Tavrida, donc c'est l'entrée principale du festival. Et oui, je suis revenu pour filmer la cérémonie d'ouverture, hein, de l'ouverture de ce festival. Voilà. Là, c'est le feu de vœux, donc on peut fixer un vœu, puis on tape le bouton et il va vous dire oui, c'est ça, ça va arriver peut-être. Donc on va essayer de devenir milliardaire. Ah merde,
Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Oh oui, nuit. Bonne nuit. Ready.